Bon, je crois que c'est le bon moment pour vous faire mon annonce. T'as une annonce à faire, toi. Oui, Jean. Et cette fois, j'aimerais bien que tu me laisses aller jusqu'au bout. Tu me feras tes commentaires après. Eh ben, vas-y. On t'écoute. J'ai empoisonné le déjeuner. Comment t'as empoisonné le déjeuner? Ah ben c'est très simple. Hier, quand je t'ai dit que j'allais aux champignons, c'était pas pour ramasser des cèpes. Après, simplement, tu mélanges tes petites courgettes coupées en dés avec des champignons. Et ensuite, tu ajoutes de la sauce. Je te demande pas comment tu as fait, je te demande pourquoi t'as fait ça. Mais enfin, Jean... Tu vois bien que tout part en vrille. Mais attendez, vous êtes sérieuse là, Pauline? Enfin Thomas, oui. Oui, je suis très sérieuse. Enfin regardez-nous, vous voyez que rien ne va plus. Mais enfin, je veux dire, vous êtes sérieuse. On va vraiment mourir là. Ah oui. Oui, on va tous mourir. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'on va mourir. Ah oui, il paraît. Non mais je vais appeler un centre antipoison, il y a forcément une solution. Ah Thomas, je reconnais bien là votre esprit pratique. Mais maintenant, c'est trop tard. Mais Jenny, dis quelque chose. Non, la tuile. Pardon? Non, mais parce que c'est moi qui devais aller chercher Chloé au piano demain. Je t'aurais bien demandé, mais toi aussi, t'en as mangé de la ratatouille, non? Voilà, bah c'est mort. Bon, j'appelle Sabrina. Oui, Sabrina, j'ai un petit service à te demander. Ah, mais oui, alors raconte! Ouais? Ouais, oh génial! Non mais jusqu'au bout, elle va me faire chier, celle-là! Combien de fois je t'ai dit que je voulais mourir en regardant la mer? On n'est pas à la mer, là. Non? Donc j'ai pas envie de mourir. On est à la mer, là? Ah, moi je me souviens de la mer. Merci maman, c'est bon. On est à la mer, là. C'est comme ça, Jean. C'est plus toi qui décides maintenant. Sabrina m'a dit que ça s'était super bien passé avec Yann. Je suis trop contente pour elle. Franchement, elle le mérite. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, j'ai oublié Chloé. Pardon, je rappelle Sabrina tout de suite. Désolée. Superbe votre ratatouille, Apolline. Vous penserez bien me donner la recette. C'est la même depuis 20 ans, maman. Ah non? J'ai mis du thym cette fois. Ah oui? Je me disais bien que c'était meilleur. Mais hé hey! Pardon, mais excusez-moi, mais notre mort... Excusez-moi, Thomas, vous avez raison. Concentrons-nous sur nos derniers moments à passer ensemble. Mais j'ai aucune envie de mourir avec vous, moi. Mais enfin, Thomas, nous allons tous mourir. Ce n'est pas une raison pour oublier vos manières. C'est bon, Sabi peut aller la chercher. Ça, c'est fait. Et vous êtes tous complètement fous? Oh, ça suffit maintenant. Je vous offre une belle mort entourée de votre famille et vous, vous vous débrouillez pour tout gâcher. Jean? Oui? Où sont tes cigares? Qu'est-ce que tu veux faire avec mes cigares? J'ai envie de me fumer un bon gros cigare au moins une fois dans ma vie. Et c'est pas toi qui vas m'en empêcher. Ils sont dans le tiroir, dans la cuisine. On lui racontait ça à Sibylle? Apolline, ma chérie. La ratatouille, tu l'as pas vraiment empoisonnée. Mais qu'est-ce que ça change? T'en veux plus longtemps de cette vie, toi? Je savais bien que t'avais pas pu faire une chose pareille.
Mais tu vois pas qu'il marche pas ce briquet? Tu vois? Tu recommences? On peut pas passer un moment sympa sans que tu te mettes à crier. Bon, bah moi je viens avec vous parce que Thomas il devient vraiment désagréable. Ça va maman? T'avais pas éteint le gaz ?